Europe 1, 11h midi. Et si on partait ? Philippe Googler. Et si on partait au Cap-Vert ? Nous sommes avec Nathalie Corré, qui est déjà partie, qui danse. Oh bah moi j'adore. Elle a dansé à peu près dans tous les endroits de la Terre. C'est sûr. Mais je remarque que c'est un peu toujours un peu le même rythme déhanché. Il y a une espèce de constance chez vous. Oui, c'est ça. C'est une personnalité, oui. Non, mais c'est un lien formidable entre les gens, la danse et la musique. Mais oui, c'est formidable. Surtout quand on ne parle pas la langue. Oui, surtout quand on ne comprend rien, quand on nous parle. Nous sommes en ligne avec. Et puis, j'ai oublié de citer Didier. Parce qu'il danse moins. Comment on peut l'oublier? Il est plus immobile. Il randonne, ça marche. Je bouge, mais je ne danse pas. Nous sommes en ligne aussi avec Jean-Yves Loud. Il est auteur et ethnologue. On lui doit notamment un roman que je vous conseille de lire avant de fouler le sol capverdien. Un roman qui s'appelle Cap-Vert, notes atlantiques. Jean-Yves Loud, il vit une incroyable histoire d'amour avec ce pays depuis 25 ans. Bonjour Jean-Yves. Bonjour, bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Quel drôle de pays quand même, 10 îles, loin de tout, perdues dans l'océan Atlantique. L'histoire même de ce pays est étonnante. Oui, mais vous avez cité une légende, il y en a une autre qui a été inventée par un poète capverdien qui dit « Le peuple capverdien est le fruit d'une noce brutale entre deux continents opposés, l'Europe et l'Afrique, sur une plage de basalte par une nuit de pleine lune. » Ça résume absolument l'histoire du Cap-Vert. Ouais. Rapidement, le Cap-Vert est né de la grande découverte portugaise au moitié du XVe siècle. Et il a fallu que les marins portugais descendent le long de la côte très sèche d'Afrique et à un moment donné aient le courage pour rentrer à Lisbonne de faire une volta, c'est-à-dire une boucle par le large. Et c'est comme ça qu'on a rencontré 10 îles du Cap-Vert. On les a appelées du Cap-Vert parce que c'était en face, enfin à 500 km de Dakar, qui est appelé le Donc ce sont les îles du Cap-Vert. Ah, mais ça je ne savais pas, ça c'est dingue. Oui, ça s'appelle les îles du Cap-Vert parce que c'est en face du Cap-Vert en Afrique, d'accord. Eh bien oui, le Cap-Vert c'était le premier cap un peu vert que les Africains rencontraient sur la côte qui va devenir du Sénégal. Et en faisant la boucle, comme c'était sur la même latitude, ils ont appelé ça les îles du Cap-Vert. Oui, parce que ce n'est pas vert du tout en vrai, c'est plutôt sec. Alors c'était un tout petit peu plus vert au XVe siècle, mais la sécheresse a beaucoup sévi ces derniers siècles. Mais à cette époque-là, la couronne portugaise s'est dit « voilà une très bonne terre pour faire escale et rentrer sur le Portugal, pour en faire un comptoir d'esclaves, puisque tout de suite, comme il y avait du coton sauvage, il y avait du sel, des possibilités de pâturage, on a décidé de faire venir des travailleurs venus de la côte de Guinée, comme on disait, donc de toutes les peuplades de la côte de Guinée, pour travailler. Donc ça s'est fait petit à petit à la fin du XVe siècle, plus des mauvais garçons venus du Portugal, des filles de mauvaise vie, et c'est comme ça que ce peuple est né d'une noce brutale entre quelques blancs et beaucoup de femmes noires, et un peuple créole métis est né dès l'orée du XVIe siècle. Ah, d'accord. L'histoire commence comme ça, avec prospérité, puisque les Portugais sont les seuls à pouvoir commercer les esclaves, ils ont ce privilège-là, ils développent le commerce, ça commence par Santiago, la plus grande île actuelle, la plus peuplée, c'est le début de l'histoire avec sa voisine Fogo et Mayo, les îles du Sud, Sotavento. On ne parle pas encore d'un Cap-Vert à Barlavento au nord. Est-ce que aujourd'hui, le Cap-Vert, on peut considérer comme faisant partie de l'Afrique ou pas? C'est l'Afrique ou pas l'Afrique? Parce que c'est à 500 km au large. Oui, géographiquement, c'est l'Afrique. On ne va pas nier cela. Mais les Capverdiens qui sont issus d'une déportation, 500 km, 500 ans aujourd'hui, on leur a coupé toute mémoire et accès à leurs ancêtres. C'était une déportation qui exigeait qu'on perde son africanité. Mes amis capverdiens, ils me disent, ne me demande pas de parler de la mémoire d'Afrique. Pour nous, quand on voyait les Africains au cinéma dans les années 60, on se demandait qui c'était ces gens qui dansaient comme ça d'une façon bizarre. Il n'y a pas de mémoire d'Afrique au Cap-Vert. On a affaire à une autre Afrique, une Afrique très créolisée, très métissée, à un autre miracle de l'histoire. Parce qu'il faut bien se dire, c'est la première fois qu'il y a une expérience comme ça, des terres vides, des blancs, des noirs qui se mélangent et qui créent une culture grâce à l'accès d'une langue, à la création par les esclaves d'une langue, le créole. Tout le génie du Cap-Vert va venir de là. D'une langue et d'une âme. Il y a une âme capverdienne très particulière qu'effectivement, on peut difficilement comparer à quoi que ce soit d'autre. C'est une terre à part.
Oui, mais cette âme, elle a été supportée, elle a été portée par la création d'une langue. Une langue, imaginez la situation incroyable de ces gens qui sont Serrères, les Boux, Mandingue, Manjac, Peul, qui parlent à peine la langue de l'autre et qui sont obligés de comprendre la langue du maître pour obéir. C'est une situation, mais tragique, et l'humain est quand même très fort, puisque très rapidement, ces gens perdus vont s'inventer une langue avec des mots qui ressemblent à du portugais, des grammaires, une grammaire africaine, et ce qui va faire qu'ils vont inventer une poésie et porter leur âme de rescapés de l'histoire, mais en même temps, le maître va croire qu'il parle portugais, mais il comprend rien. Ah oui. C'est très précieux, ça. Donc ils ont inventé une langue qui leur permettait de parler entre eux, alors qu'à l'origine, en Afrique, ils ne se comprenaient pas. Et c'est une langue qui leur permettait de résister un peu au maître. Une langue de résistance. Ben oui, de parler dans son dos, de le critiquer, mais le maître ne comprenait pas. Ouais. Mais ça, il y a un continent aussi fort en linguistique qu'en Afrique. Hein. La langue, c'est une urgence. Il faut vraiment communiquer entre eux. Et donc le Caver, c'est un des premiers créoles qui soit dans l'humanité. Ouais. C'est là, c'est l'âme du Caver, elle repose dans cette poésie parce que cette langue va porter. Il y a une sensualité, il y a un érotisme dans ce créole. Mais oui, le mot érotisme, c'est quoi ? C'est la force vitale contre la mort, Thanatos. Donc l'érotisme, c'est oui, bien sûr, les mots sont lestes, les mots sont caressants, les mots évoquent l'acte sexuel, mais c'est cet érotisme qui va permettre à ces gens de vivre et à supporter l'esclavage, la perte de vitesse de l'économie du Cap-Vert, et puis les sécheresses et les famines à répétition. Et sans l'érotisme de cette poésie et sans l'érotisme des danses qui vont naître et des musiques qui vont naître, le Cap-Vert ne serait pas là aujourd'hui. Ouais. Déjà la métaphore de la naissance tout à l'heure était très érotique. La métaphore de la naissance du Cap-Vert était déjà très érotique tout à l'heure. Oui, mais c'est boda brutal, c'est une noce brutale. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est un poète de Fogo qui a inventé cette légende, ce poème de la naissance. Alors la musique au Cap-Vert, elle est absolument incontournable. Si vous allez au Cap-Vert, vous allez entendre beaucoup, beaucoup de musique. Vous ne pourrez pas y échapper. Vous allez danser comme Nathalie. Ah oui. Sur 10 Cap-Verdiens, on peut dire qu'il y en a 11 qui font de la musique là-bas. C'est le langage commun. Oui. Alors, il y a la fameuse MOMA qu'on va écouter Morna. Un petit peu. Mona. Morna. Pardon. Je dis n'importe quoi. La Morna. Talvez com esforço, descobri vosso voto a compreender que na realidade é felicidade que merecer. O bonanha lado assim consolado nem que morrer. Lenda, se busco tanha coração. Morna du Cap-Vert, musique classée au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2020, musique nostalgique, douce, qui avec Césaria Evora, qui était la reine du Morna. De la Morna, et c'est langoureux comme les vagues de la mer, on dit en portugais. C'est ça. C'est vrai que c'est... Mais là, vous avez choisi un bon exemple, parce que c'est une morna un peu sautillante, comme il y a du fado qui court dans les rues. Et la morna, elle est née... C'est une musique tardive. Le monde connaît la morna, mais c'est la dernière née, pratiquement, des musiques du Cap, puisqu'on situe sa naissance vers 1850 dans l'île de Boa Vista, puis elle a fait le tour du Cap-Vert, elle s'est ralentie, elle est née comme le fado, très érotique, très grinçante, très satirique, et puis elle s'est assagie à cause de la tristesse des départs, des émigrations successives, des morts, des naufrages des bateaux, et quand elle est arrivée dans l'île de Cesária Évora, Mindelo, São Vicente, bon, là, elle s'était tellement ralentie que l'on dit que les danseurs ne bougeaient même plus la tête contre l'épaule de l'autre pour écouter la belle mélancolie que se met la morna. Mais il ne faut pas se leurrer, Cesária Évora, c'est le bel arbre qui cache la forêt. La morna, elle est née, la musique du Cap-Vert, elle est née à Santiago bien avant, donc 16e, 17e siècle, et ce sont des formes beaucoup plus africaines de musique. Ouais. La morna, c'est vraiment la fin. Alors là, vous parlez merveilleusement de cette musique, la morna. Il y en a une autre qui est extrêmement célèbre aussi, c'est le Funana.
Oui, alors c'est une musique récente. La musique du Caber, elle est née, il faut quand même juste dire ça, elle est née d'un acte de liberté des femmes. Le tambour africain était interdit. Alors les femmes ont dit non, on ne nous interdit pas. Elles ont pris leurs pagnes, les ont roulées entre leurs cuisses et ont commencé à battre ce tissu. Et à 25 à 30, elles ont fait beaucoup de bruit. Elles ont inventé une danse érotique et des paroles de satire profonde. Mais attendez, j'ai pas compris. Elles ont utilisé quoi pour faire de la musique ? Un pagne. Elles ont pris leurs pagnes qui serraient leurs hanches. Elles l'ont roulé entre leurs cuisses et elles se sont mises à battre. C'est la première musique du Caber, c'est le batouk. Mais ça fait pas de musique le tissu, ça fait pas de son le tissu. Mais à 25 ça fait. Ah et oui? aujourd'hui, comme c'est une musique très célèbre encore dans l'île de Santiago, elles prennent des coussins plastiques ou elles mettent des sachets plastiques pour enrouler le pagne. Mmh. Et ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. Ah oui? Et on connaît tous ces Aria Evora, mais il faut savoir que il y a une autre reine au Cap-Vert, notamment d'île de Santiago, la reine du batouk, elle est morte aujourd'hui, elle s'appelait Nacia Gomi, et au Cap-Vert, elle est aussi célèbre que ces Aria Evora, puisque le premier avion de la compagnie aérienne a été nommé Nacia Gomi. Et c'est vraiment la musique des femmes illettrées qui ne sont pas allées à l'école, mais qui, une nuit, peuvent recevoir des poèmes d'inspiration dans la tête. Elles les répètent et elles deviennent des reines du batouk et du finasson. Je vous interromps un petit instant, écouter un petit peu cette musique, le Funana. Oui. Capverdien. Je rappelle que nous sommes toujours avec Jean-Yves Loud. Jean-Yves Loud, et je précise que vous avez œuvré à la sauvegarde du patrimoine musical capverdien avec votre femme Viviane Lièvre, et vous avez participé à la constitution des archives musicales nationales du Cap-Vert. Et vous avez participé notamment à l'édition de deux disques qui recensent les principales musiques traditionnelles. C'est dire combien le Cap-Vert est important pour vous. Restez avec nous, Jean-Yves Loud. Nous allons poursuivre cette exploration capverdienne passionnante. À tout de suite sur Europe 1. Philippe Googler. Commence à bouger. Très bon signe. J'adore ça. Il y a une petite pointe de nostalgie, de saudade, toujours. L'exil. Ouais. Qui est très attachante. Nous voyageons au Portugal sur Europe 1 ce matin jusqu'à midi. Je suis bien sûr avec Nathalie. Qu'est-ce que j'ai dit? Au Portugal. Au Portugal. Vous voyez, c'est la saudade Portugal, mais non, ça c'est le Cap Vert. Il y a des points communs en termes de saudade. Hein, là. Et Noïche, il est des nôtres. Bon, alors je la refais. Nous voyageons au Cap Vert avec Nathalie Corré et Didier Ferrat. Et puis surtout, également en ligne, Jean-Yves Loud, auteur ethnologue amoureux du Cap Vert. Alors, le Cap-Vert, on a beaucoup parlé de la musique, mais c'est aussi évidemment une terre avec des volcans, et pas n'importe lesquels. Il y a le mythique Pico de Fogo, c'est un volcan qui culmine à 3000 mètres, près de 3000 mètres, comme une pyramide un peu, hein, qui sort de l'Atlantique, Jean-Yves. Ah, mais c'est un vrai dessin d'enfant. Vraiment, la pyramide, quand on le voit apparaître en bateau, c'est impressionnant. C'est une robe noire, comme ça, qui tombe dans la mer. C'était le point culminant de Portugal jusqu'en 1975, année de l'indépendance du Cap-Vert. Mm-hmm. Donc, 3000 mètres, c'est énorme. On l'appelle au Cap-Vert le général qui ne dit pas son nom. Et on le traite en ami, même si c'est un volcan vivant qui explose souvent, mais les Capverdiens lui pardonnent parce qu'il prévient toujours, le ciel se met à rougeoyer, on sait qu'il faut évacuer le chaudron de la caldeira du pas, puisque la grande particularité de ce volcan, c'est que le cratère est habité par une communauté. Pas mince, 800 à 1000 personnes qui vivent dans le cratère du volcan de Fogo. Ce qui est complètement fou, parce que ce volcan entre en éruption très régulièrement. Et il y a quand même des gens qui habitent dans le cratère. Oui, 1951, 2002, 2014, ça fait beaucoup, ça s'accélère. Mais vous l'avez dit tout à l'heure avec l'eau, il y a les courants nocturnes humides.
portées par les nuages sont récupérées par les plantes et qui emmènent l'humidité dans les racines. C'est pour ça que dans ce cratère, il y a double récolte par an. Et en 1917, il y a des familles qui ont osé s'installer là, et notamment les descendants d'un aventurier français. Donc la France a une participation dans le développement de l'île de Fogo et dans sa, ses fantasmes. Oui, parce que, alors, faut dire les choses jusqu'au bout, parce que ce Français, visiblement, il avait la rencontre facile, et il a laissé tellement de descendants qu'il y a beaucoup de blonds aujourd'hui au Cap-Vert qui ont un lien génétique avec lui. Oui, c'est-à-dire, c'est une histoire vraiment de KPDP romantique. C'est un homme qui s'appelait Armand de Montrond. On ne connaît pas son origine en France. Il serait parti pour fuir la France, un duel, un amour ou la politique. Et puis, partant pour le Brésil, il aurait vu au port de Fogo une très belle demoiselle et le bateau est parti sans lui. Et il s'est installé là, et puis s'est pas marié, mais il a concubiné avec au moins cette belle femme qu'il a installée dans des fermes isolées de la partie la moins peuplée de l'île. Il était à la fois médecin, guérisseur, ingénieur. Il a construit des très belles plantations. Il a construit des routes. Il a repeuplé l'île. Alors, oui, il l'a repeuplé vraiment concrètement. Généreusement. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Montrond là-bas, hein, du coup. Alors on dit Montrond. Oui, on dit Gno Herman Montrond. C'est un personnage héroïque de l'île. Et génétiquement, il est très, très présent parce que c'est vrai que, à une époque, mais c'est très important parce que, à une époque où tous les jeunes de l'île de Fogo partaient sur les bateaux baleiniers, c'est l'histoire du développement de la chasse à la baleine, et les bateaux américains venaient chercher des jeunes qui fuyaient la famine et qui partaient. Et l'île de Fogo était en décrépitude. Et Armand Montrond est arrivé. Ah, et il a repeuplé. Didier Ferrat, vous avez beaucoup de traces génétiques autour de la planète parce que vous voyagez beaucoup. Moi j'ai changé de nom en fait pour passer plus inaperçu. Moi aussi je viens de là-bas mais en fait j'ai changé de nom. Il a planté aussi des musiques là-bas, beaucoup aussi. La musique de Fogo est très riche, ouais. Et comme au Cap-Vert, c'est toujours des musiques de salon qui viennent du Portugal qui sont transformées par les descendants d'esclaves, et ça ressort de la guitare ou de l'accordéon, très canaille, ouais. Très très sensuel. Jean-Yves Loud, on parlait des volcans tout à l'heure. On a compris qu'il y a des gens qui habitaient dans les cratères, mais quand les éruptions se produisent, c'est quand même assez dramatique, hein. Il y a des habitations qui se retrouvent sous les coulées de lave. Alors il y a une très belle route pavée qui monte au volcan et qui passe par une brèche de l'explosion de l'éruption de 51. Et effectivement, dès que les premiers signes arrivent, c'est le branle-bas de combat, les camionnettes chargent, les gens s'en vont. Et l'éruption de 2014 a été tragique. Moi qui ai vécu dans ce chaudron pour écrire, pour enregistrer les musiques, quand je suis revenu en janvier 2019 dans la caldeira, j'ai vu les maisons où j'ai habité sous 4 mètres de lave, de croûte. C'était terriblement impressionnant. Mais les jeunes ont repris leur destin en main et ils installent sur ces lacs de lave solidifiés des hôtels, mais qui leur appartiennent, qu'ils vont gérer eux-mêmes sans dépendre des pouvoirs. Et j'ai assisté à une dynamique économique et culturelle dans la caldeira de Fogo en 2019 qui était incroyable. Ils prennent leur destin en main et les terres agricoles sont tellement fécondes et il y a de la vigne. Du vin, et le vin de Fogo est très connu. Oui, il est très très connu. Et oui. C'était un vin qui noircissait la langue et les dents, qu'on appelait autrefois le manécon, c'est-à-dire le vin de Manuel. Pourquoi il noircissait les dents et la langue? C'est comme si vous aviez mangé une tarte à la myrtille après avoir bu un verre de vin de Fogo. Alors il s'est beaucoup amélioré parce que les œnologues italiens sont venus faire des coopératives, mais qui a disparu sous les laves. Mais le vin de Fogo est maintenant réputé. C'est excellent le vin blanc, une bouteille ça suffit, pas exceller. Et pour finir sur le volcan, moi j'ai vu lors d'un tournage de Faut pas rêver au Cap-Vert, il y avait effectivement un hôtel qui venait d'être bâti un peu de temps avant, entièrement rempli par de la lave, donc détruit, gens relancent. Oui. Il y a une espèce d'optimisme incroyable, c'est qu'on n'hésite pas à reprendre, la vie reprend tout le temps.
Oui, il y a même un jeune couple, une Française et un natif de la Caldeira, qui ont construit leur hôtel en bloc de lave avec des sculptures que fait un jeune Capverdien de Fogo qui s'appelle Zorro et qui sculpte la lave des personnages. Ça fait un hôtel d'art brut très proche du palais idéal du facteur cheval. C'est étonnant. C'est étonnant. Mais il y a comme ça au Cap-Vert, ce mélange un peu de nostalgie sur la dureté, les ruptures, les pertes, et puis en même temps une énergie, et c'est ce mélange des deux qui fait aussi l'âme du pays, je trouve. Il n'y aurait pas eu... C'est un érotisme contre la mort, le Cap-Vert. Toute la littérature, si vous prenez la littérature du Cap-Vert, alors ça, il faut remonter plutôt dans les îles du Nord, Sotavento, où la littérature est née avec les lycées dans l'île de San Vicente, à Mindelo, mais tous les premiers écrivains, ils n'ont écrit que sur cette lutte contre la famine, et c'est terrifiant. Le grand Amílcar Cabral, qui a été l'instigateur de l'indépendance du Cap-Vert, il a écrit des poèmes où il disait « Au Cap-Vert, s'il pleut, nous risquons de mourir noyés, parce que la pluie arrive et dévaste tout, et s'il ne pleut pas, nous risquons de mourir assoiffés. Et c'est pour ça que le Cap-Vert est longtemps, au cours du XXe siècle, sont longtemps partis en bateau cueillir le cacao dans l'île de Santomé. Ce sont les paroles de Saudade de Cesaria Evora. Que buscamo es camino longe pa Santomé, qui t'a montré le long chemin pour Santomé. Merci beaucoup Jean-Yves Lou, dont vous écouterez pendant des heures nous parler du Cap-Vert, parce que c'est tellement riche et tellement fort en émotion, en intensité. Je vois beaucoup à ce pays. Oui, je sais. Je rappelle que vous êtes l'auteur notamment du roman que je conseille à tous de lire avant de partir au Cap-Vert, qui s'appelle Cap-Vert, Notes Atlantiques, aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup Jean-Yves Lou, à bientôt. Merci, muito obrigado. Muito obrigado.